je suis bénévole et animateur de l'Après-M. L'Après-M, c'est ce McDonald's qui a été récupéré par, dans un premier temps par les salariés qui étaient en lutte contre cette multinationale, puis qui a servi de plateforme de distribution alimentaire à près de 100 000 personnes sur les quartiers nord de Marseille depuis la première pandémie. En ce qui me concerne, je suis marseillais depuis plus de 60 ans et j'ai un parcours de 40 ans de travail social, tour à tour éducateur de rue, directeur de centres sociaux, directeur d'association sur le logement, directeur d'agence immobilière à vocation sociale, et puis directeur à la fin de ma carrière de la Fondation Abbé Pierre au niveau régional, PACA Languedoc-Roussillon. Ma perspective, elle est de court terme en réalité. Elle est surtout qu'on arrive à réaliser ce projet de restaurant géré par des habitants et par des salariés. Un projet de territoire dans lequel l'économie sert à faire de l'entraide. C'est-à-dire que on s'est aperçu qu'un fast-food, et en particulier un fast-food d'une grande chaîne, produit énormément de bénéfices. D'abord parce qu'un fast-food, c'est rien d'autre qu'un lieu de montage d'aliments. Il n'y a pas de cuisine à l'intérieur. Et donc tout arrive, on monte et hop, on débite. On débite tellement que en France, chaque année, c'est 5 milliards d'euros que McDonald's empoche en bénéfices. Là, pendant les périodes de pandémie en plus. Donc, on se dit, ben, si lui, il arrive à tirer 5 milliards, qu'il donne de l'argent à ces trucs, nous, on va pouvoir en récupérer une partie tout en faisant travailler les gens. Et cette partie qu'on récupère, elle va nous servir à continuer à faire de la distribution alimentaire, elle va continuer à nous permettre de former des gens, elle va nous permettre de fabriquer de l'entraide dans nos quartiers. Alors, dans notre système, il est clair, on part donc d'un fast-food qui existe déjà, puisqu'il y a encore toutes les machines, puisqu'on les a préservées. Les salariés qui étaient là, en grève, et qui ont occupé ce lieu-là avec des habitants, ont fait très attention à ce qu'on ne dégrade pas l'outil de travail. Cet outil de travail est présent, on l'a bichonné, mais on a utilisé les locaux pour en faire la distribution alimentaire depuis le premier confinement, depuis le 20 mars 2020. On a distribué juste sur la période du premier confinement pratiquement 40 000 familles, c'est-à-dire 100 000 personnes, pendant les 5 ou 6 semaines qu'a duré le premier confinement. Puis à la fin du premier confinement, on s'est dit, c'est bon, les choses vont rentrer dans les normes et que les gens vont retourner dans les associations caritatives qui avaient de nouveau ouvert. Que nenni. Donc les gens ont continué à venir. Et nous, notre question, c'était qu'est-ce qu'on fait? On rend le bien à son propriétaire qui en avait déjà beaucoup profité, qui en réalité ne l'avait payé que 3 sous et qu'il avait reçu beaucoup de financement public avec la zone franche, avec les aides à l'emploi, avec... A priori, il avait été payé largement. Donc on se dit, mais pourquoi on lui rendrait? Et du coup, ils étaient venus à l'époque pour dynamiser l'emploi. Et quand ils s'en vont, ils le dynamitent, parce que c'était quand même le deuxième employeur de la zone. Il y a Carrefour au-dessus. Et là, c'était 77 salariés qui bénéficiaient. Donc, la question, c'est, on va recréer des emplois. Au mieux, il faudrait aller à 77. Mais pas tout de suite. On se dit, oui, mais attends, mais créer des emplois, c'est bien. Sauf qu'on fait quoi des gens qui tapent à la porte tous les jours pour venir manger? Parce que il y avait encore un millier de personnes qui venaient taper à la porte. Et qu'on a dit, on continue la distribution alimentaire. Donc du coup, on a continué la distribution alimentaire et on a commencé à se dire, il faut qu'on fasse un projet. Le projet, c'est le projet de Après. Après, qui veut dire association de préfiguration pour un restaurant économique et social. McDo fait toujours tout ce qu'il peut pour nous virer. Et finalement, on dit, on ne va pas se laisser faire comme ça. On va essayer de mobiliser le peuple
pour racheter le bien. Et à ce moment-là, on lance le 15 mai de l'année dernière, donc 2021, un truc qui s'appelle Société citoyenne immobilière, la part du peuple, en invitant tout le monde à venir mettre 25 euros, et avec tous ces 25 euros, on pourrait racheter le bien, relancer l'économie, machin. En moins d'une semaine, c'est 2500 personnes qui mettent 25 euros. On se dit, bah, c'est trop génial, on va y aller. Sauf que, dans la fin de semaine, début de semaine nouvelle, la mairie nous appelle, nous dit, oh, écoutez, ça y est, on va trouver un terrain d'arrangement, on va essayer de racheter, on va racheter à McDonald's le bien dans lequel vous êtes pour vous sauver la mise. C'est ce qu'ils font. Donc, sauf que les gens qui avaient commencé à donner de l'argent nous appellent, vous nous remboursez ? Non, c'est une association, c'est pas une société citoyenne immobilière, c'est une société citoyenne immobilière associative. Vous avez payé une cotisation unique de 25 euros. Jusque-là, tout va bien, et donc on fait un projet. Et le projet, c'est le projet qu'on est en train de défendre aujourd'hui, qui est un projet d'abord d'un fast food, dans lequel on va embaucher les anciens salariés qui sont encore sur le carreau, les bénévoles précaires qui sont là et qui distribuent l'alimentaire, et les jeunes du quartier, soit par... la PJJ, soit les jeunes qui le souhaitent, parce que c'est extrêmement important pour nous d'être raccord avec le fait que c'est fait pour le quartier, c'est une action territoriale. La deuxième chose, c'est de se dire, il faut aussi que on continue à faire un fast-food, mais il va falloir un petit peu de qualité quand même, on ne va pas revendre la même saloperie que McDo. Donc on se met en rapport avec un truc qui s'appelle Pain et Partage à Marseille, qui est une entreprise d'insertion et qui fabrique du pain bio de qualité dans les quartiers nord. Donc on doit travailler avec eux pour le pain. On a un grand chef étoilé marseillais, Paceda, qui se propose de nous signer le premier hamburger. On est en contact avec Longomaille pour avoir des légumes avec leur ferme qui est près de Fos, là-bas, je crois. Et puis, voilà, donc on se met sur l'idée qu'on va avoir un resto. Mais on ne va pas pouvoir embaucher tout de suite 77 personnes, ni même 37 comme c'est nécessaire. On va embaucher que 24 à 28. Et donc, tous les bénévoles qui sont adhérents pourront faire une demi-journée ou une journée par mois ou un peu plus s'ils le souhaitent, de bénévolat. Et tous ces bénévoles pourront, une fois par mois, s'ils veulent, aller voir le comptable qui pourra leur permettre de vérifier leurs ressources. Et en fonction des ressources qu'ils ont, ils pourront avoir des tickets restaurants service. Et ces tickets restaurants auront la valeur nécessaire pour que, quand on est à zéro, par exemple, tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'alloc, tu n'as rien, tu nous présentes, tu nous dis que tu n'as pas de pognon, tu pourras avoir des tickets restaurants qui te permettront de manger un menu complet pour zéro. Plus que la distribution, on va la faire à l'extérieur désormais, la distribution alimentaire, tous les matins avant l'ouverture du restaurant. On va faire une zone de distribution alimentaire, on va faire aussi des cuisines à l'extérieur dans les containers, et une cuisine qui nous permettra de cuisiner pour les maraudes, parce qu'elles se fournissent chez nous et elles cuisinent chez nous encore aujourd'hui. Ces maraudes, plus il y aura la possibilité pour nous de faire préparer par des gens qui le souhaitent les salades, les frites, etc. Les éplucher, les couper, voilà. Et tout ça va permettre à des maman ou à des personnes qui n'ont pas de papier et qui viennent chercher des colis, de venir nous donner des coups de main. Et en contrepartie du coup de main, ceux qui ont des papiers et qui le souhaitent pourront toucher des vacations qui seront au plus égales à ce qu'ils peuvent encaisser sans remettre en cause leurs aides sociales. C'est-à-dire qu'on voudrait mettre du beurre dans les épinards des familles les plus pauvres, sans leur piquer les épinards. En contrepartie, il aura une fiche de paye, du coup. Là, c'est... Et les sans-papiers, ils auront des tickets resto-service. Puisqu'on ne peut pas donner de l'argent comme ça. On aimerait ouvrir le 1er mai pour le hamburger des travailleurs.
on a besoin d'argent, d'investissement pour pouvoir payer tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de 200 000 euros. On a déjà reçu par une fondation, qui est la Fondation Abbé Pierre, 50 000 euros. Et en réalité, je suis là, d'abord pour me mettre en contact avec d'autres partenaires qui pourraient nous aider. Bon, par exemple, il y a ici Longomaille avec qui on a commencé à discuter de deux choses. Il y a aussi là les gens de Briançon qui travaillent sur l'idée d'être une communauté Emmaüs. Et c'est une manière pour nous d'avancer aussi. Peut-être qu'on pourrait devenir une communauté Emmaüs. Et donc, mais aussi les fondations. Si certaines fondations qui sont ici sont en mesure de nous apporter leur soutien, on serait très intéressés. Nous, notre problème, c'est que on souhaite poursuivre notre projet, quitte à avoir les plus mauvaises relations avec les institutions. Notre projet est un projet de territoire, par des habitants du territoire, avec les habitants du territoire. Pour une fois, ce qu'on va permettre de faire, c'est de donner une véritable dignité à des gens qui vont construire un projet par eux-mêmes. Et pour nous, il n'y a pas de prix. Et ceux qui, en contrepartie de leurs subventions, de leurs aides publiques, de leurs aides privées, nous demanderont de dévier, ou de ne pas embaucher un tel, ou d'interdire aux barbus de rentrer, ou d'interdire... Ça ne sera pas possible. Donc, nous voulons avoir les meilleures relations du monde, à condition d'être respectés et que notre projet ne soit pas dévoyé ou détourné. La seule conclusion que je peux avoir, c'est dans ce très beau cadre, c'est qu'il y ait effectivement des alliances qui permettent aux habitants des quartiers populaires de réaliser leurs rêves, leurs projets et leur intégration par leurs propres moyens. Ce n'est pas l'assistante sociale qui doit les intégrer, ce n'est pas le centre social, c'est eux-mêmes qui doivent être acteurs de leur intégration et de leur choix.